Salut les terriennes et bienvenue aux Antilles. Alors les Antilles, mais pas n'importe quelles Antilles, puisque ce sont des Antilles en France, à 1h30 de chez nous. Et ça faisait très longtemps que Marco et moi on avait envie d'y aller et bien sûr d'amener Arthur avec nous. Si vous aimez cette vidéo, pensez à mettre un petit pouce j'aime et si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Ça s'appelle les Antilles de Jonzac et je vous emmène avec nous. Salut les terriens! Salut les terriennes! C'est relou! C'est relou! C'est relou! C'est relou! Bon, on a décidé qu'on allait vous vlogger cette journée aujourd'hui, partager avec vous, je pense, de très très bons moments à venir. En tout cas, nous, on est très très contents, très excités. On va aller chercher l'eau et la chaleur. Ouais, on va répondre à une des problématiques que beaucoup de gens ont en ce moment. Et depuis qu'on est rentré en France, en fait, on s'est aperçu de ça, c'est que le soleil et la chaleur nous manquent. Et là, en fait, il faisait moins 1 tout à l'heure, donc c'est un peu terrible. Donc, je pense que l'hiver dernier, on râlait parce qu'on était à 15 degrés. Là, moins 1, ça pique. Donc, on va répondre à une problématique, c'est qu'en fait, on a découvert qu'il y avait pas mal de centres autour de chez nous. Dont un qui est à mi-chemin entre Paris et Bordeaux. Et on vous laisse le découvrir. Et c'est un centre, voilà. C'était très chaud et très bon. Toi tu y es déjà allé, moi je ne y suis jamais allé. Dans celui-là, je ne suis jamais allé. Ah bon? Non, non. Et j'allais dire, en fait, le monsieur dont tu as prévenu qu'on mangeait en maillot de bain et en t-shirt. Oui. Ça va. Il y a un restaurant à l'intérieur. Ça va être très bien. Ouais. Donc on va répondre à notre problématique, on va aussi répondre à notre problématique. Et on vous laisse découvrir ça dans la vie. Voilà, avec toute impatience. On est sur la route, les petites routes de campagne, on peut vous montrer ça. Le petit Jaja. Coucou petit Jaja. Il est bien ton dessin animé? Oui, il te plaît. Hein? Oui. Coucou, on arrive. Ciao, ciao. Je me plains, moi. Alors c'est un dôme chauffé sous lequel il y a une piscine et je vous avoue que la première chose qu'on a remarqué en arrivant, c'est que c'était beaucoup plus grand qu'on avait imaginé. Alors il y a absolument tout sous le dôme, que ce soit les piscines et les restaurants, bars, snacks, etc. Donc c'est vraiment très agréable parce qu'il fait tout le temps 25 degrés. Une petite chocolatine. Je peux aller où? C'est bon? Oui. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans l'eau? On va mettre le maillot de bain? On mange pour l'instant. Mmh. C'est une petite chocolatine pour papa et maman avec un petit café. Parce que ça ouvre qu'à 10h30, donc on est largement chaud. Coucou. Papa. Oui. Chouchou. Oui, il y a de l'eau. Une coupe de cheveux d'enfer. Donne-moi la main. Allez, pour ça. Petit jardin. Bon, en fait, j'ai toujours entendu parler de ça, mais... Ouais. Il y a même une volière, regarde. Oui, les oiseaux, vas-y. Tu les vois, les oiseaux? C'est gentil. T'as vu des poissons? Où ça, les poissons? Ah ouais!
Alors c'est ma maman qui nous a offert les entrées et le restaurant pour notre Noël. Et je vous avoue que c'est un très beau cadeau. D'ailleurs, je vous encourage à offrir des expériences aux gens que vous aimez plutôt que des bibelots ou des objets. Parce que les expériences, ce sont des souvenirs pour toute une vie. Et il n'y a pas besoin de les ranger une fois qu'on ne les utilise plus. On a pu apprécier chacun notre tour, hein, puisqu'on s'est relayé pour garder Arthur. Il y a un sauna, un hammam et un bain bouillonnant. Donc c'est vraiment super parce que moi personnellement et Marco aussi, je sais, on adore le hammam et le hammam fonctionne très bien, il fait beaucoup de vapeur et on a beaucoup beaucoup apprécié aussi cet endroit-là. Ah ouais, là ça va mieux là. Mais il y a 20, il y a presque 8 degrés de différence. Et ouais, c'est énorme. Oh, il y a une rivière, oh, c'est cool. Ah, il vient de s'arrêter. Il y a une piscine extérieure qu'on rejoint par l'intérieur par un petit petite rivière chauffée qui est aussi très 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 agréable. Il y a le contraste entre le chaud et le froid et ça c'est vraiment super sympa. Moi j'ai toujours adoré les rivières extérieures chauffées. Hop. Il fait froid. Ouh, la tête. Je vais être sûr que j'ai les épaules. Ouais, dans le... Mais bien les épaules. C'était vraiment génial. Imaginez-vous, vous êtes dans une eau à 35-38 degrés, alors qu'il fait froid dehors, que tout le monde se caille, que tout le monde a le rhume. Moi-même, j'étais malade. Arthur avait le nez qui coule. Et là, on est dans cette eau tellement douce, tellement agréable. Ça sent bon. On est au chaud. On profite. On se baigne. On se laisse porter par les petits courants de la rivière intérieure chauffée. On va dans le hammam où il fait vraiment une chaleur qui enveloppe tout le corps. On a chaud de la tête aux pieds jusqu'aux orteils et jusqu'au bout des doigts. C'est vraiment génial que quelqu'un ait inventé un truc comme ça. Franchement, moi, j'adore. Alors maintenant, mission la plus dure, c'est trouver quelqu'un pour louer bébé, pour la rentabiliser. Comme ça, nous, on peut aller là-bas. On est bien là au soleil. Mais... Qu'est-ce que tu dis? Profite. Profite de quoi? Qui profite? C'est marrant qu'il dise ça. Il veut rester dans l'eau quand même. Ah, il aime bien. Tu veux descendre? On est bien. Saute. On est bien. D'accord.
Allez, viens. Allez, viens. Simplement au niveau des portions pour qu'il n'y ait pas trop à manger. Le restaurant à l'intérieur est vraiment très bon. Ce qui est génial, c'est qu'on peut manger en petite tenue puisque du coup il fait 25 degrés, 25-30 degrés, donc c'est vraiment super agréable. Tu tombes pas bébé, hein? Tu tombes pas, hein, dans la piscine, hein? Voilà la plus belle. T'es pieds nus, mon amour. On est venu chercher le soleil. Tu peux mettre la petite femme de thé. Qu'est-ce que tu veux manger? Qu'est-ce que tu veux manger? Tu veux quoi? Tu veux quoi? Du chocolat? Tu veux quoi? Tu veux des frites? De l'eau? Cola. De l'eau? Cola. Cola. Du chocolat? Non. On va d'abord manger des frites. Non, cola. Madame, mets-toi debout. Mets les bras en l'air. Madame. 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 Comme ça. Madame. Poissons. Des poissons. Chille maman, chille papa, ah, chille Arthur, chille Arthur. Chille. Chille. Très important. Mon fils ne sort jamais sans sa moto. Mais c'est pas un poisson, c'est pas le même village. Il a plus de l'œil. Il a plus d'œil, plus de nageoire. C'est même pas un poisson parce qu'il n'est pas encore né. On nous a offert le restaurant. Et la dame en arrivant nous dit attention, c'est des portions. Parce que c'est un menu. Parce que c'est un menu, donc c'est des portions. Et en fait, je me dis que pour des belles portions, on mange bien. Des fois au restaurant, ils font payer ça 15 balles. Donc c'est bien. Regarde, il y a la papaye. C'est très joli. C'est exotique, salade exotique. Il y a des gambas. Des gambas. Des fruits exotiques, de l'avocat, très important. Mmh, ça a l'air trop beau. Bon, ça nous rappelle nos un an et demi de voyage en t-shirt et en short. Vite, vite qu'on repart. Et à bouffer des salades tous les jours et tous les soirs sans se poser de questions sur la météo. Ça, c'était vachement bien. Là, tu t'amuses bien, mon frère.
donc un endroit tout doux, tout chaud, tout enveloppant pour se sentir bien et se faire du bien à soi et à sa famille. Mais c'est aussi un endroit pour s'amuser parce qu'il y a même des toboggans. Avec Arthur, c'était vraiment très rigolo parce que du coup, il devait attendre en bas d'escalier. Du coup, il disait patience, patience parce que du coup, il devait attendre son tour parce qu'il n'a pas encore l'habitude, il est tout petit encore. Et du coup, on surveillait la lumière. Rouge, vert, et quand c'était vert, il savait que c'était lui, donc il surveillait la lumière comme ça, jusqu'à ce que ça soit son tour, il est trop choupignou. Après, on montait l'escalier, donc je le portais, il guettait par-dessus, et il voyait qu'on monte en fait, et puis après au niveau du toboggan, je vous assure, il était mais très très à l'aise, et bon, il était entre mes jambes, bah, du coup on est descendu ensemble, parce qu'il est quand même petit encore, il est trop petit pour descendre tout seul, il y avait une toute petite inclinaison au début, et du coup, hop, ça faisait l'effet toboggan glissade, et vous savez, quand ça soulève légèrement l'estomac, à nous adultes, ça ne fait pas grand chose, alors lui, j'étais explosée de rire quand il descendait le toboggan, et alors ça tourne, et c'était un peu enfermé, c'était un tunnel, donc on voit pas tout à fait quand est-ce qu'on va arriver, et dernier virage, et pof, on arrive, et là, il était mais explosé de rire, on l'a fait plein de fois, il a adoré. Franchement, ça lui a fait trop trop plaisir, du coup, en tant que maman, bien sûr, ça me fait plaisir de lui faire plaisir, c'était vraiment du pur bonheur. Qu'est-ce que t'as fait? Hein? T'as fait un toboggan? Ah, t'as glissé! D'accord! On y va tous les deux? Oui! D'accord! Papa, maman! On y va, tous les deux. Et ah. Tu ne peux pas m'arriver. Qu'est-ce qu'il dit? Hein? Patience. Go, go, go. Go, go, go. Chouchou. Alors Marco l'a fait aussi avec Arthur, parce que Marco aime autant les toboggans que moi et les attractions de façon générale. Et alors ce qui était anecdotique, c'est qu'en fait ils ont descendu le toboggan, mais Marco étant resté dans la suite la première fois, ils sont arrivés tout doucement à la fin, ils étaient au ralenti. Et d'ailleurs ça se voit sur la vidéo. Il est mouillé, j'étais tout chaud. Papa, il est où? Voilà. Et papa, comment il s'appelle? Non, Marco. Et Arthur, comment il s'appelle? Bébé. Mais non. Et maman, comment elle s'appelle? Et vous allez où? Voilà, on a passé une excellente journée aux Antilles de Jonzac. Vraiment, c'est un endroit qu'on vous recommande, autant en famille ou pas, même en couple. Quel que soit votre âge, c'est un endroit qu'on est sûr que vous allez adorer si vous aimez l'eau chaude. Et si vous avez envie de sentir la chaleur envelopper tout votre corps, c'est vraiment un endroit que vous allez vraiment apprécier beaucoup, beaucoup, beaucoup. Nous, on a vraiment adoré, on n'avait plus envie de partir. Arthur n'a pas dormi de l'après-midi, on en a profité à fond. Je vous avoue que le retour, la 1h30 de route de retour était un petit peu difficile. En plus, on s'est perdu sur les petites routes de campagne en plein milieu de la France. Donc oui, c'était un petit peu difficile, mais on a vraiment passé une très bonne journée et on aurait très très envie de le refaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On vous a amené aux Antilles, mais en France, donc vraiment à côté de chez nous. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à nous mettre un petit coup de j'aime, ça nous aide beaucoup à nous faire connaître. Pensez également à vous abonner et à activer la petite cloche si ça n'est pas déjà fait.
et pensez à nous laisser un petit commentaire. Est-ce que vous aussi, vous auriez envie d'aller dans un endroit comme celui-là? Est-ce que vous en avez un près de chez vous? Même si ça s'appelle pas les Antilles de Jonzac, vous avez peut-être un parc un petit peu similaire. Est-ce que vous y êtes déjà allé? Est-ce que vous aimez la chaleur en hiver? Dites-nous tout ça en commentaire. Ça nous fait toujours plaisir de créer du lien avec vous et de mieux vous connaître. Si vous avez envie de voir des photos inédites et exclusives de notre famille et de nos voyages, pensez à me suivre sur Instagram. Je vous mets mon compte dans la description sous la vidéo. Pensez à vous abonner et à venir faire un petit tour dans les stories également pour voir ce que nous faisons actuellement. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao! Bye bye!